les garçons, quoi de neuf? Monsieur Danny, vous auriez pas des vieux pneus à donner? Tous les pneus que j'ai ici peuvent tenir la route. On a l'argent qu'il faut pour aller au cirque, mais on n'en a pas assez pour la ménagerie. Ah, ça c'est pas bien grave, cette ville est déjà pleine d'animaux bizarres. Mais tu crois qu'ils ont vraiment toutes les bêtes qu'ils disent? Évidemment, s'ils le disent, c'est qu'ils en ont. Il n'empêche, je suis sûre qu'ils ont pas de lion. Mais si, ils en ont un, c'est le gars à l'entrée qui l'a dit. Ah ouais? Ouais, mais alors c'est un lion qui a pas de dents. Moi je te dis qu'il en a des grandes comme ça, et ça tu peux le croire. Ouais, bah on va aller voir par nous-mêmes. Faites ce que vous voulez, nous on préfère aller se baigner. Dis, si on va se baigner, on va passer devant chez le docteur Adrian. Bah ouais, tu penses à quoi? Vous voulez faire quelque chose juste devant la maison? Bah oui, c'est là que c'est drôle. Pourquoi? Ça te fait peur? Moi, le vieux docteur cinglé, il m'impressionne pas. Bon, vous êtes décidé, on y va? Attends, moi je peux pas y aller. Si je suis pas rentrée à temps pour dîner, maman me laissera pas aller au cirque. Ouais, c'est ça, dis tout de suite que t'as les foies. De toute façon, on n'a pas besoin de toi. Arrêtez ça tout de suite, petit voyou! Je vais vous apprendre, moi! Allez, relève-toi! Oh non, il a eu Willy! Je ne comprends pas pourquoi personne ne fait rien pour remettre ce docteur Adrian en place. Il bafoue toutes les valeurs de cette ville à cause de lui, Red Creek est mal vu. Ça m'étonne, je peux pas dire le contraire. Il y a longtemps qu'on aurait dû lui montrer le chemin hors d'ici. Et de qui parlez-vous? Du docteur Adrian. Vous auriez dû le voir quand il est passé cet après-midi. Il a tellement fait peur aux dames qui étaient là qu'elles s'en sont toujours parmises. Cette ville est trop saine pour un docteur. Ça fait un moment que plus personne n'est tombé malade. S'il n'y avait pas quelques dames un peu angoissées, il n'y aurait jamais personne dans son cabinet. Vous oubliez un peu vite l'épidémie de l'année dernière? Certaines personnes se sont tout de même plaintes d'avoir servi de cobaye pour ces expériences. Ça, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait de son mieux. Tout le monde en ville ne pense pas la même chose. Heureusement, aujourd'hui, les gens d'ici se portent bien. Et c'est tant mieux s'il n'a pas de client. Oh, un client, il en a eu un pas plus tard que cet après-midi. Il est là. C'est le petit Willy. D'abord, il m'a attrapé. Et puis, il m'a battu. Je sais même pas pourquoi, j'avais rien fait du tout. Pauvre garçon. Pour moi, vous êtes tous des lâches. Vous avez entendu ça? Elle a raison, l'année dernière, ses patients mouraient comme des mouches et personne ici n'a réagi. Maintenant, il est toujours fourré chez Madame Clifford à faire ses expériences sur Frances. Vos critiques ne valent pas grand-chose, Mason. Vous êtes loin d'être un bienfaiteur de la communauté. Et qu'est-ce que c'est, un sermon? Je remets simplement les pendules à l'heure. Je n'ai pas oublié tous ces pauvres gens que vous avez laissés sur la paille avec vos prêts aux intérêts énormes. Personne ne les a forcés à emprunter. Oh, je pourrais aisément vous démontrer le contraire. Seulement, je ne crois pas que vous soyez prêts à écouter. Ce que je fais, c'est mon travail et rien de plus. De toute façon, cette conversation ne portait pas sur moi. On pourrait tous aller chez le docteur et le mettre dehors. Quand vous serez prêt à le faire, croyez-moi, je serai là. Ah oui, vous venez pour la prescription. Je suis désolé, j'ai été débordé toute la matinée. Je suis désolé de vous mettre en retard, docteur. Mais ce n'est rien, je comprends. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je sais que ça ne me regarde pas. J'imagine qu'en tant qu'homme de science, nous ne voyons pas les choses comme tout le monde. Mais il vaudrait mieux que les gens n'apprennent pas ce que vous faites. Vous voulez dire avec les animaux? Tout le monde sait que des chiens ont disparu. Eh bien, laissez-moi vous rassurer, cette expérience est terminée. J'ai appris tout ce que je voulais savoir.
Voulez-vous que je vous aide? Vous n'avez pas des clients en boutique? Très juste, docteur, très juste. J'y retourne. Excellente initiative. Vous profitez des derniers rayons de l'été. Ah, docteur Allegan. Asseyez-vous donc, docteur. Je vous remercie. Alors, comment veut ma petite fille aujourd'hui? Tu portes une bien jolie robe. Danny a appelé, il devrait bientôt passer. Si tôt dans la journée? Oui, mais parce qu'ensuite il va au cirque. Ah oui, je vois le cirque. Oh, je vais presque oublier. Un petit cadeau pour toi, Frances. Ah, pour moi, vraiment? Oui, mais ne t'enthousiasme pas trop vite. Regarde d'abord de quoi il s'agit. Et c'est vraiment trois fois rien. Oh, mais c'est un écrin. Oh, docteur. Je ne sais pas quoi dire, c'est magnifique. Mais il ne fallait pas. Vous m'avez déjà offert un cadeau d'anniversaire le mois dernier. Eh bien, disons que ce cadeau est autant pour toi que pour une jeune fille que tu n'as pas eu la chance de connaître. Est-ce que je lui ressemble vraiment? Elle aurait eu 18 ans ce matin, le dernier jour avant l'automne. Mais je n'ai pas su la sauver, je les ai perdus, elle et sa mère. Je n'avais pas les armes nécessaires pour combattre le mal qui les rongeait, mais aujourd'hui je les ai, ou du moins je connais leurs composés chimiques. Cela m'a pris 10 ans de recherche acharnée. Écoute-moi, Frances, tu vas à nouveau marcher, je te le promets. Il y a une telle lueur dans vos yeux, parfois c'est un peu effrayant. Alors, comme ça, Danny va au cirque? Oui. Et il m'a promis qu'il reviendrait après pour tout me raconter. Ah, c'est ce qu'il a dit. Et pourquoi n'iriez-vous pas ensemble? Quoi, moi aussi? Mais docteur, oh, vous pensez qu'elle pourrait? Bien sûr qu'elle le peut, je ne vois pas de contre-indication. Salut tout le monde. Oh, Danny. Bonjour, bonjour. Bonjour, Danny. Bonjour, Madame Kifford. Mon cher Danny, que dirais-tu d'accompagner Frances au cirque aujourd'hui? Eh bien, si elle pouvait, ce serait formidable. Eh bien, justement, elle le peut, du moment qu'on veille sur elle. Je repasserai te voir un peu plus tard. Merci, docteur, du fond du cœur. Ne vous faites pas de soucis, Madame Clifford. Avec ce grand gaillard pour s'occuper d'elle, elle ne court aucun risque. Au revoir, Chloé. Au revoir, docteur. Mon petit Danny, tu devrais vite rentrer chez toi pour te changer. C'est à croire que toute la graisse de ton garage est attirée par tes vêtements. Écoute, Frances, pour moi, le docteur est givré. Mais puisqu'il est très gentil avec toi, je fais comme si de rien n'était. Le docteur est quelqu'un d'adorable. Seulement, les gens ne le comprennent pas. J'ai quand même entendu pas mal de choses qui sont Danny, loin de... Danny, tu ne vas tout de même pas croire à tout ce que peuvent raconter les gens. Bon, d'accord. Inutile de se mettre en colère. Écoute, Danny. Ces vilaines histoires, ces rumeurs médisantes, sont tout aussi dégoûtantes que ces taches de cambouis sur ta chemise. Oh, très bien. Je tâcherai de garder ces paroles à l'esprit. À ce soir, Frances. Oui, passe une bonne journée. Vous êtes prêts, Doc? Allez, envoyez. Attention, Danny. Eh ben voilà. Eh ben, c'était pas si compliqué. Impeccable. Ça va, Frances? Bien installée? Oui, c'est parfait. On descend ça. Voilà, on est prêts. Si tu te nourris bien, l'année prochaine, il faudra 3 hommes pour te porter. Je veux bien prendre du poids, docteur, mais pas au point de ne plus rentrer dans mes robes. Vous grimpez, Doc? Non, Danny, je suis sûr qu'une fois au cirque, tu trouveras facilement quelqu'un pour t'aider. Vraiment? Vous ne venez pas? Non, allez-y ensemble, c'est très bien comme ça. Oh, mais... Je suis désolé, Frances, mais j'ai du travail. Ça me ferait réellement plaisir. Allons, donc, tu t'amuseras bien plus avec Danny qu'avec moi. Et si vous me racontez tout demain, je serai content. Pas de problème, Doc. Et merci pour tout. Au revoir, docteur. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, ma chérie. Amuse-toi bien. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, chérie. Faites attention sur la route. Allons, Chloé, voyons, ce n'est pas le moment de verser des larmes. Je sais bien, seulement je suis quand même inquiète. Il n'y a vraiment pas de quoi, une petite sortie ne peut lui faire que du bien. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. On a trouvé une place. Dis, Mickey, tu l'as vu? Vu qui? Tu sais bien, le gorille, c'est vrai qu'ils en ont un? Ouais, à la ménagerie. Un sacré bestiau, tu peux me croire. C'est vrai qu'il est plus gros que 3 hommes? 3 hommes? Tu parles, il doit au moins peser comme 6 hommes. Imagine-toi une montagne de muscles. Ils ont dit que c'était le plus gros de tous les gorilles, le plus gros du monde.
Hé, hey, regardez, voilà les clowns. Oh, oh, oh. Ça va, tu t'amuses? Oui, bien sûr, pourquoi? Eh ben, on ne peut pas dire que ça se voit. Oui, mais depuis qu'on est arrivé, tous les gens nous regardent et ça me rend nerveuse. Je me demande bien pourquoi. Bien, être avec un homme marié en public, tu sais ce que je veux dire. C'est fantastique. C'est le meilleur spectacle de cirque que j'ai vu. Moi, c'est le premier que je vois. Voilà pour vous, shérif. Popcorn, popcorn bien chaud, ils sortent tout juste des fours. Pardon, mon petit. Cacahuètes, salées, sucrées. Quelle grâce, c'est à peine croyable. N'est-ce pas? Et elle est tellement belle. Oh, elle est pas mal sans plus. Je l'ai vue passer devant le garage ce matin. En fait, c'est le costume qui fait tout. C'est vraiment ça que le docteur appelle la grâce musculaire. La coordination du corps. Tu as vu? Ils ont commencé la parade. Regarde. Et voilà, c'est fini. Tu es en pleine forme. Demain, tu pourras recommencer à déterrer des os. Ce qui a marché sur toi pourrait marcher sur des hommes, si seulement ils me laissaient faire. Voilà, c'est fini. J'aurais aimé que ce soit plus long. Alors il ne faudra pas manquer le prochain. Essayer de faire exactement le rendre fou de rage? C'est une bête vicieuse. Il y a que cette manière qu'il comprend. T'as déjà essayé la douceur pour dire ça? Ou même de l'appeler par son nom? Hé, hey, Naboo, viens, mon petit père, approche. C'est ça, t'es un brave gars. Ouais, je te rappelle qu'il y a deux ans, il a tué mon père. Et ça, tu vois, je risque pas de lui pardonner. Je sais ce qu'il a fait, j'étais là quand ça s'est passé. Ton vieux le maltraitait autant que toi. Tu vois ce que ça a donné, alors réfléchis un peu. Et toi, tu pourrais t'occuper de ce qui te regarde, pauvre type. Dites-moi, j'espère que vous ne jouez pas de l'argent. Des fortunes, shérif, embarquez-moi. Eh bien, les gars, vous avez un spectacle du tonnerre. Vous êtes le meilleur des clowns que j'ai jamais vu. Et moi, je suis juste cavalier et le clown, c'était lui. Quoi, lui? Bah oui. Ouais. Sans rire, je vous avais pris pour une ballerine. On y va, vite. Jim, vite, amenez-vous, on va les aider. Venez, dépêchez-vous. Ah,
Le docteur! T'as l'air mal en point! Il faut l'emmener, le docteur! Trouvez-moi une civière! Aidez-moi à le soulever! Il faut arrêter ce feu avant qu'il se répande à toute la ville! Vite, occupe-toi de faire venir de l'eau! Vous avez compris, les gars? Venez me donner un coup de main! Désolé pour l'heure, docteur, mais on a un homme gravement blessé. Faites-le entrer. Allez, ne perdez pas de temps. Que lui est-il arrivé? Un singe l'a bouffé. Singe? Oui, monsieur. On va essayer de le retrouver après ça. Il a de grosses lésions au sternum. Et il vaut mieux que vous l'emmeniez dans mon laboratoire. Jane, montre-leur le chemin. Mais comment est-ce arrivé? Ce singe n'était pas dans une cage? Oui, mais seulement le cirque a brûlé et le singe s'est échappé. Comment le cirque a brûlé? Et les gens du public? Tous sains et saufs, n'ayez crainte. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous pensez encore avoir besoin de nous, docteur? Non, ça ira, je prends le relais. Très bien. Dans ce cas, moi et les gars, on va essayer de retrouver la trace de ce singe. Ne laissez plus m'approcher, monsieur. Mon Dieu, ne laissez pas me prendre. Rassurez-vous, ici, vous êtes en sécurité. Je suis docteur. Je suis salement blessé, docteur. Ça paraît assez sérieux, oui. Oh, j'ai si peur. Je ne sens plus rien. Dites-moi, je vais mourir. Il nous faut tous mourir un jour ou l'autre. Oh, je vous en prie, me laissez pas mourir, doc. Un homme. La forme de vie la plus aboutie du règne animal. Docteur, qu'est-ce que vous allez me faire? Je vais vous faire entrer dans les annales de l'histoire médicale. Et ce faisant, j'honorerai une vieille promesse. Montez la garde ici et gardez l'œil bien ouvert. Le shérif, il pense qu'au boulot et jamais au repas. Moi, j'ai tellement faim que je pourrais manger de la paille. Ça tombe bien, on est devant une grange. Va te servir. Cette ponction de fluide spinal humain devrait me permettre d'infléchir la paralysie de ma patiente, Frances Clifford. Cela par des injections répétées du dit fluide spinal. George, réunis tes gars, vous allez faire un tour du côté de la ferme de Knock. Toi, Jim et les garçons, vous allez patrouiller à l'est de la ville. Pete, toi, tu restes avec moi. Compris. Alors, prêt à donner un coup de main, Mason? Cette histoire, c'est le problème des forains. Pourquoi faudrait qu'on s'en occupe? Je vous rappelle que leur cirque a brûlé, c'est déjà assez dur pour eux. Ce sont des choses qui arrivent. Peut-être, mais si on ne retrouve pas ce singe, des gens d'ici pourraient être blessés. Ça, c'est votre boulot, shérif, pas le mien. Je vois pas pourquoi je devrais me soucier des gens. Est-ce qu'ils se soucient de moi, eux? Dites-moi, Mason, vous n'auriez pas peur par hasard? Bon, allez, essayez de me régler ça au plus vite. On est paré. C'est tellement effrayant de penser que ce monstre rôde autour de la ville. Je vous conseille de barricader portes et fenêtres chez vous. Et prévenez toujours quelqu'un si jamais vous sortez. Tout va bien, ma chérie. Tu veux que je te serve du thé? Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Je repensais à cette femme magnifique que j'ai vue voltiger dans les airs hier soir. Ah, tiens, voilà le docteur qui arrive. Bonjour, madame Clifford. Bonjour, docteur. Frances? Oh, je suis contente de vous voir, docteur Adrian. Je voulais vous remercier pour la soirée magnifique que j'ai passée grâce à vous hier.
On nous a dit pour le dompteur, c'est bien triste. Ne te préoccupe pas de ça. C'est aujourd'hui le jour le plus important de toute ta vie. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir commencer un vrai traitement. J'ai finalement trouvé un sérum efficace. Un traitement, docteur? Je vais pouvoir marcher? En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais il faut que tu comprennes que cela ne concerne pas que toi. Ce que nous allons faire rendra bientôt espoir à bien des malheureux dans le monde. Je pense à tous ces enfants prisonniers comme toi d'un fauteuil roulant. Je pense à tous ceux qui ont perdu jusqu'au rêve de pouvoir remarcher. Je suis prête à vous suivre jusqu'au bout, docteur. Ça, je le sais, Frances. Ce ne sera pas forcément facile. Peut-être que ça fera mal. Mais si tu souffres, ne crains rien. La douleur est signe de guérison. Dis-toi que lorsqu'elle partira, ce sera le début d'une toute nouvelle vie. Vous pouvez la préparer pour l'injection. Très bien, docteur. Bon, donc on a des hommes postés là, là et là. Si on n'obtient pas de résultats ce soir, il faudra déplacer l'un groupe là et chercher davantage vers l'ouest. Oh, Mason, vous avez changé d'avis? Non, je ne change jamais d'avis. Ouais, ça évite de se servir de sa tête. Vous, on vous a rien demandé. J'ai un ordre d'éviction pour la famille McKay. Ils n'ont pas payé leur loyer. J'ai d'autres chats à fouetter. Revenez demain. Vous avez une responsabilité dans cette ville, shérif. Le respect de la loi passe avant votre babouin. Dites-moi, Mason, vous m'avez l'air d'un homme qui prend plaisir à empoisonner la vie de ces pauvres gens. C'est mon travail et ça ne concerne que moi. Très bien, alors dans ce cas, ne vous mêlez pas de mon travail. Je m'occuperai de votre histoire quand j'en aurai le temps. Bonne nuit. Oh, docteur, entrez. Comment ça va, Frances? Oh, mes jambes, docteur. Quoi? Elles sont lourdes comme du plomb. Je ne peux pas les soulever. Mais tu n'as jamais pu les soulever, Frances. Oui, je sais. Seulement avant, je ne les sentais pas. Vraiment? Tu peux les sentir, Frances? Tu peux sentir tes jambes? Oui, mais elles sont tellement lourdes. Ça, c'est une bonne nouvelle, ma chérie. C'est exactement ce que j'espérais. C'est la première étape vers la guérison. Si vous constatez des changements, prévenez-moi aussi vite que possible. Très bien, docteur. Ah. Oh, maman, je vais marcher. Jane! 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 Regardez, j'ai enfin trouvé, dans ce flacon, la vie, un secret arraché à Mère Nature. Et ça marche. Grâce au contenu de ce petit flacon, une jeune fille va enfin pouvoir se lever. Laissez-moi seul, Jane. On dirait qu'il a pris un sale coup. Allons chercher le docteur. Ça ne servira à rien. Il bouffe les pissenlits par la racine. Ok, alors allons voir le shérif. Je te suis. Thank you.
Hey, Doc! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le singe a eu le vieux Knock! Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, c'est trop tard, on passait juste vous prévenir! Faites attention à vous, Doc! Oui, merci, je serai prudent. Nous n'avons rien à craindre de ce singe. Mais en dehors de vous et moi, personne ne doit savoir qu'il est mort. Merci, Jane. Bonne nuit. Tu sais, depuis hier, mes jambes me font plutôt mal. C'est la preuve que le traitement du docteur Adrian commence à marcher. Mais si elles te font mal, je ne vois pas en quoi c'est un progrès. C'est simple à comprendre, Danny. Si avant je n'avais pas mal, c'est parce que je ne sentais rien du tout. Cette douleur me dit qu'elle revienne à la vie. Peut-être bien, mais je n'aime pas ça. En général, je n'aime pas les choses que je ne comprends pas. Tu sais, Danny, je ne les comprends pas non plus, mais je crois en elle. J'ai une confiance absolue dans ce que fait le docteur. Je sais qu'il m'aime comme sa propre fille et je sais qu'il ne me ferait pas de mal à moins qu'il n'y soit forcé. Si mes jambes sont douloureuses, c'est bon signe. C'est ce qui devait se passer. D'accord. Je vais faire un effort. Je vais tâcher d'y croire autant que toi. Seulement, si jamais quelque chose t'arrivait, je ne crois pas que je pourrais m'en remettre. Je tiens trop à toi. Alors, shérif, vous l'avez trouvé? Non, pas encore, mais on finira par l'avoir. Ça, j'espère bien. Allez, Oscar, cherche. Oh, et... Bah, on dirait bien qu'ils ont senti quelque chose. Bah, doucement, non mais où vous allez comme ça? Qu'est-ce qui vous excite autant? Oh là là, du calme. Tout doux. Tiens, John, tu veux pas me les tenir un peu, deux minutes? S'il te plaît. Pas de problème, shérif. Docteur Adrian. Dites-moi, par hasard, vous n'auriez pas vu passer le singe? Non, shérif, rien qui y ressemble. Mais c'est très curieux, parce qu'on dirait bien que mes chiens ont senti une piste, juste devant chez vous. Hein? Alors je dois redoubler de prudence. Oui, en effet, je vous le recommande. Vous avez des problèmes avec des insectes? Oui, en effet. J'ai mis au point cette petite mixture à base de soufre pour me débarrasser d'eux. Eh bien, si ça marche, tenez-moi au courant. Mon potager est infesté. Vous pouvez compter sur moi. Bien aimable. Henri, le dîner est prêt. Tu vas sortir? Ouais. Mais je t'ai préparé de l'agneau comme tu aimes. Ton agneau, je m'en moque comme de l'an 40. Je vais aller manger quelque chose en ville. Quelque chose qui me change. Ça, c'est encore un mensonge. Je sais très bien où tu vas. Ah, vraiment? Oui, d'ailleurs, tout le monde le sait. Donc tu fais dans le commérage? Je pourrais comprendre si seulement tu me parlais, si tu me disais franchement que tu as des vues ailleurs. Et si c'était le cas? Je ne pourrais rien y faire, mais au moins je saurais. Le mieux, c'est que tu restes à ta place. Si tu as un endroit où aller, alors laisse-moi vivre seule. Ça vaudra toujours mieux que d'inspirer la pitié aux gens. Si tu savais comme c'est humiliant... Et si tu sortais t'amuser un peu, toi aussi? Mais moi, j'ai personne d'autre que toi. Tu sais bien que je n'ai plus de famille. Je n'ai nulle part où aller, Henri. Tu as au moins tes yeux pour pleurer. Bon
Pauvre Mason, ça me fait de la peine pour sa petite femme. Oh, elle sera mieux sans lui. Tu sais, George, on dit que les morts méritent le respect. Je l'aimais pas quand il était vivant, je vais sûrement pas l'aimer plus maintenant. Ouais, mais là, c'est un principe, tu vois. Ça vaut pour tous les morts, même pour les mauvais. En tout cas, on peut dire que ce singe, il a le don de tomber sur les gens pas nets. Si c'est vrai, tu devrais peut-être te méfier. Alors, les gars, on a décidé de s'offrir une journée de repos. Ça fait 3 jours qu'on cherche, ça n'a rien donné. C'est sûr qu'assis à boire des coups, vous risquez pas de trouver grand-chose. Et pourquoi on ne cherche pas plutôt le jour? Parce que le jour, il se cache, voilà pourquoi. Les gens de la ménagerie nous ont dit qu'on n'aurait pas de jour. Le meilleur moment pour l'avoir, c'est à l'aube ou au couchant. Vous croyez qu'il rôde toujours près d'ici? Il a bien massacré Mason. En plus de ça, mes chiens ont flairé quelque chose près de la maison du docteur Adrian. Mais bon, pour l'instant, je boirai bien un café. Bon, allez, ça suffit, vous deux, du calme. C'est quand même étrange, on dirait que même les chiens n'arrivent pas à le sentir. Au contraire, ils le sentent un peu trop. Et vous dites qu'il tourne toujours autour de sa maison. Mais quel rapport peut-il y avoir? C'est peut-être parce que le docteur ressemble vraiment à un singe. Le moment est mal choisi pour faire vos plaisanteries. Je veux tous vous voir ce soir, sans faute. Je n'aime pas ça, Madame Clifford. On dirait presque qu'elle est... Ah, vraiment, je suis très inquiet. Nous devons faire confiance au docteur Adrian. Mais nous ne savons rien. Un docteur avec une seule patiente, il doit bien y avoir une raison pour que les gens l'évitent. Dis-moi, Danny, pourquoi le détestes-tu? Non, ce n'est pas la haine qui me fait trembler, c'est l'amour que j'ai pour Frances. Si jamais il lui arrivait quelque chose, il faut que j'aille le voir. Il faut que je lui parle. Il faut que je sache. Oh, Danny. Danny a peur pour moi, c'est ça? Ne t'en fais donc pas pour lui. C'est un grand garçon, il se calmera. Oh, si seulement mes jambes ne me faisaient pas aussi mal. Mais je n'ai pas peur. Dis, tu ne doutes pas de moi? Non, ma petite chérie. Je sais que tu vas surmonter cette épreuve avec courage. Non, docteur, vous n'entrerez pas. Voyons, Danny, à quoi est-ce que tu joues? J'ai peur pour Frances. Je ne comprends pas ce que vous lui faites. Mais tu aimerais sûrement pouvoir vivre une vie normale avec elle, comme les autres couples. Oui, ça c'est sûr, mais pas au point qu'on lui fasse du mal. Vous savez, je l'aime comme elle est. Je peux m'occuper d'elle, et tout se passera très bien. On n'a pas besoin de vos expériences tordues. Écoute-moi, Danny. Si grâce à elle, on peut débarrasser le monde... Je ne suis pas amoureux du monde, je suis amoureux d'elle. J'ai compris votre jeu. Pour vous, elle n'est qu'un cobaye, et ça, je ne l'accepte pas. Vous ne l'approcherez plus. Dis-moi, tu es allé au garage aujourd'hui? Non, là, ça fait 2 jours que j'y ai pas mis les pieds. Eh bien, va donc t'occuper de tes voitures pendant que je m'occupe de mes patients. On a assez perdu de temps comme pas ça. Pas question, je reste ici. Je ne suis pas docteur. Et je ne sais pas ce que vous lui faites. Mais je n'aime pas du tout la tournure... Il ne va rien arriver de mal à Frances. Essaie de te détendre. Revoilà Danny avec le docteur. Comment allez-vous, docteur? Très bien, très bien. Alors, comment se porte ma patiente préférée? Là, ça va. Ses jambes l'ont fait souffrir toute la nuit. Vous dites qu'elle a souffert? Oui, docteur. Bien, c'est excellent. Excellent? Mais oui, bien sûr, c'est exactement ce que nous voulions. Préparez-la pour l'injection. Je vais augmenter la dose. Vous dites que la victime s'appelait Mason? Oui, c'est ça, docteur. Henry Mason. Mon rapport d'autopsie vous a-t-il paru assez complet? Oui, il est très bien, merci. Bien. Donc, comme je l'ai notifié, la mort semble avoir été provoquée par la rupture des cervicales. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense que j'aurais conclu la même chose. La raison pour laquelle je vous ai fait venir, c'est parce que vous avez examiné le corps de ce dompteur après son transfert dans le Nord. Ce nouveau cas étant très similaire à celui du dompteur, et considérant que vous êtes déjà bien documenté, j'ai pensé qu'un deuxième avis pourrait peut-être mettre à jour des éléments que j'aurais négligés dans mon rapport. Je vois. Docteur Adrian, je veux parler de la personne qui a signé le certificat de décès. S'agit-il du médecin local? Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Mais ici, les locaux ne l'aiment pas beaucoup. Et c'est ce même docteur qui a vu le dompteur avant sa mort. C'est ça. En effet, c'est bien la même personne. Il est venu s'installer à Red Creek au moment de l'épidémie de paralysie.
Mais les gens d'ici le soupçonnent de vouloir faire des expérimentations sur eux. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que les éléments que vous m'avez donnés me seront des plus utiles. Ravi d'avoir pu vous aider. Frances, dis-moi ce que tu sens. Oh, mes jambes me lancent. Elles te font très mal. Oh, oui, affreusement mal. Dis-moi, est-ce que la sensation est plus forte qu'hier? Oui, c'est beaucoup plus fort. Est-ce que tu crois que tu pourrais te lever et marcher? Oh non. Alors essaie au moins de bouger un pied. Non, docteur, je peux pas. Mais si tu peux, tu dois essayer. Mais... Je te dis que tu peux. Ça ne donne rien. Tu vas y arriver. Non, je peux pas. Mais si tu peux. Incroyable, maman! Oh, chérie! Oui, ça marche. Maintenant, repose-toi bien, récupère. Et je repasserai dans la soirée. Maman! Il avait raison, je vais vraiment pouvoir marcher. Je le savais, mon bébé. Je n'en ai jamais douté. Docteur Adrian? Oui, c'est bien moi. Je suis le docteur McNulty. Je travaille à l'Institut Robinson. Oh, je vois. J'ai eu l'occasion d'examiner le corps d'un certain dompteur de cirque, un homme qui a été tué par un singe dans cette ville. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est vous qui lui avez administré les derniers soins avant qu'il ne décède. J'ai fait ce que j'ai pu pour lui, seulement il était dans un état désespéré. Est-ce pour cela que vous avez pratiqué des ponctions spinales? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je viens tout juste d'examiner le corps de ce monsieur Mason, et j'ai noté sur lui des traces de ponctions très similaires sur la nuque. L'avez-vous également examiné? Eh bien, on m'a appelé pour le voir, mais c'était trop tard, il était mort. Et vous n'avez pas remarqué les traces de ponctions? Le corps était dans un tel état, c'était difficile de... Non, je n'ai pas vu ces traces. Très bien. On m'a dit que cette ville a connu une épidémie de paralysie. C'est vrai, oui. Il y a quelques années de cela, l'Institut Robinson, qui forme les médecins les plus brillants de tout le pays, a dû renvoyer l'un de ses élèves les plus prometteurs parce que celui-ci pratiquait des expériences risquées et peu orthodoxes sur les fluides spinaux. Pour être tout à fait exact, c'était il y a 25 ans. Vous êtes donc effectivement le docteur Bernard Adrian, dont les fameuses théories ont Malgré ce que vous pensez, ce qu'on m'a fait, j'ai passé ces 25 dernières années à chercher des preuves concrètes pour étayer ces théories. Pourrais-je savoir quelle méthode vous utilisez? Désolé, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Je vois. Eh bien, vous ne me laissez pas d'autre choix que de faire un rapport... Non, un instant. Et si je vous présentais l'amorce d'un début de preuve, verriez-vous les choses autrement? Non, j'en doute. Laissez-moi au moins vous montrer. Regardez bien. Vous voyez? Il y a 6 jours, ces deux cobayes étaient complètement paralysés, mais grâce au traitement que je leur ai donné, comme vous le voyez, ils peuvent à nouveau bouger, ils sont en pleine forme. Ça n'a aucun rapport avec notre affaire. Mais si, bien sûr, le sérum que j'ai mis au point... Qu'avez-vous fait des fluides que vous avez prélevés sur les deux corps? Venez, je vais vous montrer autre chose. Entrez, docteur. Madame Clifford, je vous présente le docteur McNulty. Enchanté, docteur. Madame. Nous aimerions parler à Frances. J'ai bien peur qu'elle ne dorme. Non, maman, je suis réveillée. Bonjour, Frances. Bonjour. Il faut que vous sachiez que cet enfant souffre d'une paralysie complète des membres inférieurs depuis plus de 10 ans. Et c'est bien la vérité. Oui, docteur, c'est vrai. Avez-vous ressenti quoi que ce soit dans vos jambes depuis que le docteur Adrian vous traite? Oui, elles sont très lourdes, comme du plomb, et elles me font aussi très mal. Elles font mal? En ce moment, un peu moins. En tout cas, hier, j'ai pu bouger un pied. C'est vrai? Oui, monsieur. Pourriez-vous le refaire pour moi? Non, je ne peux pas. Faites un effort. Je n'y arrive pas.
Très bien, merci. Ce sera tout. Vous devriez l'emmener dehors pour qu'elle profite du soleil. Il y a un problème, docteur? Non, Frances, ne t'inquiète pas, tout va très bien. Eh bien, son pied n'a pas bougé. Mais par contre, j'ai très nettement décelé un réflexe musculaire. Mes félicitations. Je vais informer la Fondation de votre découverte. Nous vous réintégrerons tout de suite. Il est trop tard. Désormais, mon destin est ici. Promettez-moi au moins de nous tenir au courant de l'évolution de vos recherches. Je vous ferai parvenir tous mes résultats. Merci beaucoup. Cette histoire n'est pas terminée, non. Le plus important doit encore arriver. Hé, les gars, regardez par ici. On dirait que c'est lui sous les arbres. Oui, c'est vraiment lui. C'est vrai, vous arrivez à le voir dans le blanc des yeux. Ouais, ses yeux sont pas blancs. C'est ma chance, il faut que je le descende. Allez vite, on se tire. Willy, reste pas là. Occupé ou pas, je veux qu'on retrouve mon Willy tout de suite. Vous vous rendez compte qu'il est là, dehors, dans la nuit, avec ce gorille qui rôde aux alentours? Ça ne foule pas beaucoup pour l'attraper. Tout ça, c'est la faute de votre neveu. Il a une mauvaise influence sur mon Willy. Personne ne le force à venir chez nous. Vous savez très bien ce que je veux dire. S'il vous plaît, nous avons des choses importantes à faire. Vos gamins sont sûrement en train de jouer dans un endroit où ils ne devraient pas être. Ce ne serait pas la première fois, d'ailleurs. Je sais qu'ils traînent souvent derrière la grange de Bob. La semaine dernière, je les ai surpris en train de fumer. Vous avez dit. On les a cherchés dans toute la ville. Bon, vas-y, Pete, essaie de les retrouver. Ils sont sûrement pas très loin. Hey, poussez-vous, poussez-vous. Il s'est passé un truc terrible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Mickey vient de descendre, le gorille. Il est juste entre les deux yeux. Bon, calmez-vous. Tu lui as tiré dessus avec quoi? Avec ma 22, j'avais un super angle de tir. Bien, et où elle est cette carabine? Mickey l'a fait tomber en courant. Non, c'est pas vrai. C'est le singe qui l'a attrapé. Ça va barder pour toi à la maison, crois-moi. Mais pourquoi ça? Vous croyez pas ce que je dis? Pas un mot. Où est-ce que vous l'avez vu? Dans les bois, pas très loin du chemin qui mène chez le docteur Adrian. Bon, ça ira, rentrez tous chez vous. Allez, viens par là, il va falloir rentrer à la maison. Allez, tenez. Mais regarde comme tu es sale, ce n'est pas une honte, ton père est furieux. Ils ont dû tirer sur un ivrogne hier soir. C'est pas ce qui manque en ville. Bon, où sont les chiens? Avec Roger, de l'autre côté de la ville. Bien, perdons pas de temps. Allons voir ça. Hé, les gars, attendez-moi ici. Faut que je touche un mot au docteur Adrian. J'en ai pour 5 minutes. Ok. Allez, la barre. Il fait pas chaud, hein? Non. Mais est-ce que le docteur est là? Shérif. Je voulais être sûr que tout se passe bien chez vous. Vous comptez sortir ce soir? Non. Docteur, en ce moment, il y a pas mal de choses que j'aimerais mieux comprendre.
Par exemple, pourquoi ce singe est si souvent vu près de chez vous? Ne le prenez pas mal, je n'insinue rien. Je cherche juste une explication. Ça fait 8 jours que mes chiens cherchent une trace de ce gorille, mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Le seul endroit qui les fasse réagir, c'est ici. Leur flair est peut-être perturbé par les odeurs de produits chimiques sur mes vêtements? Vous croyez ça? En tout cas, le flair de mes chiens n'a jamais été perturbé avant ça. Il y a quelque chose qui m'échappe. Mmh. Oh, mais attendez, shérif. Jane! Apportez-moi donc la veste déchirée, celle du dompteur. En fait, une idée vient de me traverser l'esprit. Je ne sais pas si cela va faire avancer votre affaire, mais il y a peut-être là un début d'explication. Vous voyez, cette veste appartenait au dompteur. Il la portait lorsque le singe l'a attaqué, et nous l'avons gardée ici depuis ce jour. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi ce singe semble attiré par cette maison, et aussi pourquoi vos chiens s'intéressent à moi. Vous avez sans doute raison, docteur. Je vais la prendre avec moi. Je vais aussi placer quelques hommes devant chez vous pour cette nuit, pour veiller à votre sécurité. Shérif, je suis chez moi, je ne risque rien. Et puis vos hommes risqueraient d'interférer avec mon travail. Très bien, dans ce cas, je monterai la garde moi-même. Mais pour vous dire la vérité, j'ai un peu la trouille, docteur. Mais ça surtout, ne le dites à personne. Bien sûr. Shérif, quoi de neuf? Bon, ça, c'est la veste que portait le dompteur le jour où il s'est fait buter par le singe. Ouais. Bon, les gars, c'est pas en discutant qu'on va avancer. Si on ne se bouge pas un peu les fesses, on va tous finir avec une veste en charpie. Bon, allez, on se remet au boulot. Vous vous retournez, vous mettre à l'endroit que je vous ai indiqué. Vous, les gars, allez vous mettre là derrière. Moi, je monte la garde ici. Écoute-moi bien, Frances. Je veux que tu t'efforces d'oublier toutes les journées que tu as passées dans ce fauteuil roulant. Qu'elles disparaissent de ton esprit. Tu n'es pas paralysé. Tu ne l'as jamais été. Il faut que tu le saches, que tu en sois convaincu. Tu n'es pas paralysé. Tu peux essayer pour moi? Oui, docteur. Ne pense plus qu'à ça. Tu n'es pas paralysé. Et maintenant, soulève ta jambe droite. Force, tu peux le faire. Non, ça ne donne rien. Essaye, vas-y. Bon, arrête, force. Ça suffit. Non, Dani. N'y arrive pas, docteur Adrian. Force un peu plus, tu peux le faire, tu peux le faire. Pousse, oui. Tu l'as bougé, tu as vu, tu l'as bougé. Maintenant, essaye la jambe gauche, tu vas forcément y arriver. Allez, force, essaye plus fort. Oui, tu les as bougés toutes les deux, tu te rends compte? Très bien. Maintenant, lève-toi et fais un pas vers moi. Vas-y, n'aie pas peur. C'est seulement ton esprit qui te maintient dans cette chaise, mais ton corps peut le faire. Vas-y, Frances, lève-toi. Oh. Cette fois-ci, vous allez trop loin. Amenez-nous de l'eau. Du calme, Dani, elle va très bien. En fait, elle ne s'est jamais mieux portée que maintenant. Mais il lui en faut plus. Il lui faut plus de sérum. Prends soin d'elle, Dani. Je reviens très vite. Oh, Frances, mon trésor. Oh, Dani. Ravi de vous rencontrer, monsieur Hallyday. Je suis le shérif de Red Creek. J'ai eu un mal de chien à vous trouver. Vous savez, shérif, dans les métiers du cirque, il faut être partout. En plus, en ce moment, c'est pas le boulot qui manque. Vos hommes ont fini par trouver la bête? Je viens justement pour en parler. Alors, c'est que vous l'avez pas eu? C'est emmerdant, c'est quand même un tueur. Considérant que c'était votre singe, vous êtes en partie responsable. Vous savez, on a fait ce qu'on a pu. Seulement le cirque a brûlé, on est presque à la cloche. D'autres gens chez vous se sont fait attaquer? Oui, en effet. J'ai une autre préoccupation. Je me demandais si vous pouviez me donner quelques renseignements sur ses habitudes. En vérité, je ne sais pas grand-chose sur la façon de vivre des gorilles. Tous les animaux fonctionnent un peu pareil, vous savez. Les lions, les éléphants,
Même les chiens. Ce qui passe avant tout, c'est ce qu'ils mangent. Et justement, un gorille, qu'est-ce que ça mange? Est-ce qu'il tue d'autres animaux? Non, c'est très rare. Il leur arrive de se battre, mais c'est seulement s'ils se sentent menacés. Sinon, ce qu'ils mangent, c'est des fruits. C'est avec ça qu'on les nourrit. Moi, je me demande où il va se nourrir, votre gorille. Peut-être qu'il rentre dans les vergers des fermiers du coin et qu'il ramasse des fruits. Non, j'ai fait le tour de tous les fermiers. Ils n'ont rien vu de spécial. Est-ce que c'est le genre de bête qui se balade beaucoup ou est-ce qu'il reste dans le même endroit? Eh bien, en général, ils restent toute leur vie au même endroit. Ils se trouvent un coin qu'ils aiment et ils bougent plus. Dans notre cas, on dirait bien que ce singe a choisi d'élire domicile en ville. D'instinct, il doit vouloir rester là où était le dompteur. Où est-ce qu'il est mort déjà? Eh bien, dans la maison du docteur, pas très loin d'ici. D'ailleurs, nous avons eu quelques signes indiquant qu'il traînait par là. Mais si c'est ça, comment est-ce qu'il a fait pour savoir où on avait amené son maître? Eh bien, c'est comme pour les chiens, vous savez, l'odorat de ces bêtes est assez développé. Vous l'avez mis dans votre cimetière? Non, on a envoyé le corps dans le nord, là où est sa famille. Bon, ben, ça nous avance pas plus. Est-ce qu'il vous reste encore des habits à lui? Quand le service funéraire est venu prendre le corps, ils ont oublié la veste du gars chez le docteur. Est-ce que vous croyez que ça aurait pu l'attirer? Ouais, il y a des chances. Vous devriez vous en débarrasser. Je ne savais pas trop quoi attendre de cette conversation, mais ça a été très instructif. Merci beaucoup, monsieur Hallyday. Maintenant, je vais me remettre en route. Je préfère être rentré avant la tombée de la nuit. Si vous avez besoin d'aide, faites-le moi savoir. Deux injections, ça aurait dû suffire. Jen, je vous confie toutes mes notes, mettez-les en sécurité. Ces deux gars et allez vous mettre derrière le camion. Danny, tu prends ces gars et vous allez vous poster près de la vieille voie ferrée. D'accord. C'est idiot, ça fait une semaine qu'on le cherche par ici et on n'a toujours rien vu. Vous tu allez dis pas... que mes ordres sont idiots? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Mais... Vous deux, allez vous poster derrière la grange du vieux Knock. Vous voulez dire là où il est mort? Oui, c'est bien ce que j'ai dit, la grange de Knock. D'accord. Et vous deux, postez-vous plus haut sur la route, à 200 mètres. Et vous, vous restez avec moi, du côté du muret en pierre. Très bien, shérif. Est-ce que le docteur est là? Vous en êtes sûr? Il n'est pas dans son labo. On se demandait pourquoi vous nous faites tous monter la garde autour de la maison du docteur. Quand on connaît les habitudes de ces animaux, on sait qu'ils reviennent toujours sur les traces de leur maître. Oh, je vois. Moi, je te dis, le shérif, il a un petit vélo dans la tête. Et toi, t'en penses quoi? T'en penses rien? Eh, t'as perdu ton sens de l'humour, c'est ça? Tu sais ce qu'on dit quand un homme rigole plus? Hé, hey, Georges. C'est pas juste ici qu'on a trouvé le corps? Et tu crois que les singes aussi reviennent sur le lieu de leur crime? Ça, j'en ai aucune idée. Bon, ben, au moins, ça met un peu de suspense. Thank you.
Change. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? George, qu'est-ce que tu fais par terre? Le singe m'est tombé dessus. Vas-y, tire un coup en l'air. Venez avec moi. Vous avez entendu ce coup de feu? Oui, mais on nous a dit de pas bouger d'ici. Mais ça venait d'où? Par là, je crois. Par là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as tiré, George? Oui, le singe a attaqué Tom. Il lui a méchamment tordu la nuque. Mais Tom a pu le poignarder. Tom, tu peux marcher? On va te mettre debout. Non, non, c'est bon. Allez plutôt l'attraper, lui. Bien, il ne doit pas être bien loin. Allez, on s'active. Vous, les garçons, venez avec moi. Passé. Princesse. Je lui en colle encore une, shérif. Non, je crois que ça ira. Il a eu son compte. Que se passe-t-il? Pourquoi personne ne parle? Je n'en sais rien, chérie. Il faut attendre. C'est le docteur. Très bien, les gars. Relevez-le un peu. Laissez-moi passer! Est-ce que le singe lui a fait du mal? Laissez-moi passer! Poussez-vous! Docteur Adrian! Frances! Approche, s'il te plaît. Tu peux marcher. Oui, tu marches. Tu vois? Je te l'avais dit. C'est fini, petite. Il est mort. Oh! Fait d'énormes progrès. Mais j'en fais tous les jours, Danny. Oui, ça c'est sûr. Et tu es chaque jour plus ravissante. Mais il ne faut pas trop forcer. Je vais chercher la chaise. Non, Danny. Maman l'a vendue hier parce que je n'en aurai plus jamais besoin. Maintenant, c'est moi qui ai besoin de toi.